Thank you.
Thank you.
Bonsoir à tous. Tout le temps, c'est beaucoup plaisir jouer avec mes amis Léo Montana, au piano. Thank you.
Bonsoir à tous. J'essaye de parler un peu en français. Je parle pas très bien, mais je me débrouille, quoi. Les gens disent ça. Bon, c'est toujours pour nous très spécial quand on joue avec Raoul. C'est toujours historique parce que lui, il est vraiment l'histoire de la musique brésilienne. Il a passé plus ou moins beaucoup de différentes parties de l'histoire de notre musique. Et bon, on a joué d'abord un morceau qui s'appelle Villa Mariana, c'est de nouveau CD. Et après, c'est que de composition de Raoul. Et après, Rio Loco, qui c'est en composition de l'autre CD, Brazilian Samba Jazz. Et après, un autre qui s'appelle Violon Quebrado, guitare cassée. Et j'essaie de traduire, mais ça ne marche pas. Non. Et là, on a fait un hommage que Raoul a fait à son pote Frank Rossolino, un grand tromboniste qui s'est déjà mort beaucoup de temps, et c'était un pote à lui. Il a fait cet hommage Saudade de Frank. Et maintenant, on va jouer un morceau d'un grand maître brésilien qui s'appelle Johnny Alf. Et le morceau s'appelle Céu e Mar, Ciel et Mer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
On a joué cette balade, s'appelle Bon Momentum. Et avant, on avait joué. Laisse-moi regarder. J'ai oublié cette autre chose à la tête. Well, You Need and Thelonious Monk. On a joué. Et avant ça, c'était. Ah, Selma, ok, j'ai déjà dit. Bon, c'est toujours bien de rappeler. Ah ouais, aussi ça. On a décidé à vendre. C'est où? À côté, après le concert, Raoul peut signer et tout. Ah, pas beaucoup en fait. Mais on a décidé, mais est-ce que je voudrais le dire que c'est toujours bien de rappeler que cet garçon ici, il est 85 ans. Donc, c'est toujours un plaisir. Maintenant un morceau qui s'appelle Bossa Eterna, ça veut dire la Bossa Eterna, que c'est un CD que lui il a fait avec Jean Donato. Et après, en notre dernière, il va prendre les sax, mais maintenant Bossa Eterna. Thank you.
fois encore, Léo Montagne à piano. Mauro Martins, batterie. Glauco Solter, à la basse. L'incroyable Raoul Souza, trombone. Et sax. On va faire un dernier morceau. C'est un disque que Raoul a fait. C'est son premier disque à lui. C'était enregistré en 65. Oui, il l'a déjà enregistré avant, mais c'était pas, c'était à lui, de l'LP à lui, mais c'était à vontade mesmo, et c'est la première morceau de cette disque, à vontade mesmo. Thank you.
Merci. Merci beaucoup. La personne pour le festival qui continue toutes les années le festival, c'est très bien, très bon pour les musiciens et très bien pour vous.
Thank you.